Eh ben, on va reprendre d'ici. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Allez. On va pas en faire une montagne. Ah, attendez, parce qu'il faut que je retrouve. Voilà. Et puis, ben, on refait. Je suis navré. C'est pas terrible aussi pour ceux qui regardent. Ça, je comprends. C'est pas terrible pour celui qui joue aussi. Mais c'est comme ça. J'avais terminé la caverne. Et je récupérais un petit peu tout ce dont j'avais besoin. Avant d'aller dans le temple. Mais là, je pense que ce qu'on va faire... c'est... Je vais simplement aller là-haut. Hey, tout à l'heure, ça allait... Mais... Ok. Ok. Je vais simplement aller là-haut voir la grande fée. Et puis... Et acheter le bouclier. Voilà. Ce sera plus rapide. Je vais voir la grande fée parce qu'on est à côté. Là, je vais tout droit. Peu importe. On se prend des KU sur la tête. On s'en fiche. Même pas mal. On s'arrête pas, on va tout droit, hein. Jean-Michel tout droit. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'il y a un shop pour acheter un bouclier au marché. Et je réfléchis, mais je crois pas. Un bouclier Mojo. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder aussi. Comme ça, regardez. C'est mieux. Et je sais pas si t'as regardé des speedruns de ce jeu, mais c'est fascinant. Et moi qui connais très bien le jeu, je suis très loin de connaître le jeu autant que ceux qui speedrun celui-ci. C'est des malades. C'est des malades. Moi non plus je regarde pas trop les speedruns, mais passe un temps j'aimerais bien voir au moins un speedrun ou des morceaux de speedrun de jeux que j'aime beaucoup. Pour voir un petit peu comment ils cassent les codes du jeu. C'est intéressant. Parfois, il y a des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé et qui fonctionnent pour pouvoir aller plus vite. Faut les trouver, tous ces trucs. Hein. Alors je réfléchis, mais en fait, pour aller plus vite, je sais comment je vais faire. Je vais pas acheter bouclier maintenant, vous allez voir. Parce que, je sais pas si tu t'en souviens, il y a des raccourcis à droite, à gauche, pour passer d'une zone à l'autre. Un petit peu partout. Enfin, partout. Il y en a, quoi. Bonsoir Alex Bros, ça va et toi? Ah, ça va, sauf que bon, bah, il y a 5 minutes ça a planté, donc pendant une heure bah, ça n'a servi à rien, puisque la sauvegarde n'avait pas sauvegardé. Donc je refais assez rapidement. Là maintenant, le temple, enfin le donjon, ça devrait aller vite. Ça a ping. Ah, c'est dommage, hein. Ah, c'est le jeu. C'est le jeu, j'ai perdu. Voilà, ça arrive, ça freeze.
Ah oui, tout est celui-là que j'ai ramassé. Mince, je sais plus où c'était. Ah ouais, du coup ce sera pas ce soir qu'on verra le temple de la forêt. Pardon, excusez-moi, hop là. Et d'ailleurs, il y a un nombre incroyable de vidéos. Enfin, je n'ai pas tout vu, moi je suis pas trop, comme je vous l'ai dit, pas trop consommateur de vidéos YouTube ou autre. Mais le peu que j'ai vu déjà, enfin, j'ai l'impression qu'il y a énormément de vidéos concernant ce jeu. Et de musique. Enfin voilà, il y a des covers de partout. De Zelda Ocarina. Ça c'est toi quand ça c'est moi quand j'oublie de regarder mon fichier Word. Oula oui, et que je devais le rendre pour le lendemain. Alors t'as pas le. Parce que c'est bizarre, t'as pas le. L'enregistrement automatique lorsque tu fermes, tu sais, ça demande. Ça te pose toujours la question. À moins que tu éteignes ton ordinateur sans éteindre Word. Ce qui fait que, bah alors là. Là. T'étais sur LibreOffice avant. Soit oublié de sauvegarder, soit planté, mais quel enfer. Ça aussi c'est horrible, on fait un travail. Là encore c'est du jeu, donc ça va, c'est du jeu vidéo. Y a pas marre de. Enfin voilà. Ça n'a aucun impact à part que ça embête, voilà. Mais quand c'est du boulot, ça c'est. Ça nous est tous arrivé au moins une fois. Et là on a envie de s'arracher les cheveux, on a envie de pleurer, on a envie de se mettre en boule dans un coin et puis bouger. Mais non, il faut tout de suite rebondir et se mettre au boulot tant que c'est frais dans le cerveau et se dépêcher. Donc le raccourci, il est là, on ira le prendre tout à l'heure. Ouh, aïe, aïe, ah oui, 6h du matin. Ah bah bon courage, Kitus. Très bonne soirée à toi. Merci beaucoup pour ton bon stream. Bisous. Et n'oublie pas de sauvegarder. Merci, oui. Il faut qu'on sauvegarde. Absolument, là. Ça, voilà. Moi, je m'attendais pas à ce que ça plante. Voilà. Surtout comme ça. Salut, Kitus. N'hésitez pas d'ailleurs, Kitus, à aller voir ses streams. En ce moment, c'est Zelda Tears of the Kingdom. Allez voir sa chaîne. Qu'est-ce que je fais déjà? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais pas. Ah oui. Bon courage pour le boulot demain. Enfin, le boulot ou pas d'ailleurs, je sais pas. Petit boulot 6h. Aïe. Ah, t'avais fait un diapo d'amour pour ton amoureuse de l'époque. Une heure avant l'anniversaire. Ah oui, quel enfer. Voilà, du coup, c'est un petit peu râpé, non? Si, t'as réussi quand même. Et c'est parti, et c'est parti. Ok. Ah bah du coup t'aurais mieux fait de... J'ai réussi à m'acquitter 2 semaines après. Ouais, bah, tout ça pour ça. Ça valait pas le coup. De se tuer à la tâche. Allez, on va chercher les cailles. On cherche les cailles, on va chercher la bouteille. Je réfléchis.
Oui, alors on va chercher le bouclier. Voilà ce que je voulais dire. Ah, bah après, normalement, je suis toujours trop romantique et trop amoureux dans mes relations. Logiquement, après, quand tu avances, là, tu prends un petit peu de bouteille. Et même si tu l'es, t'apprends tes erreurs. Et les choses que, voilà, ça dépend avec qui tu le fais, en fait. Il faut le faire avec la bonne personne. Pour ça, il faut que tu saches que c'est la bonne personne ou non. C'est avec l'expérience que ça viendra. Ok, lesquels ? Non, attends. Bouteille, bouclier, poisson, on donne la lettre, on fait le... le donjon. Et puis on est bon. On rattrape le retard. Et dorénavant, je vais sauvegarder assez régulièrement. Oui, t'as 17 ans, bon, voilà. T'es encore jeune. Tout à fait. Tout à fait. Elle avait 20 ans. Tu préfères les plus vieilles. Entre guillemets, le mot vieille. Hop. Ouais, j'aimerais bien... Attendez, où allez-vous ? Elle est là. Non, c'était pas là. On va aller là. Je vais pas tarder à prendre une pause. J'aimerais bien justement prendre la pause au moment où on arrive dans le ventre du grand Jabu-Jabu. Ah, les musiques, oh là là, quel souvenir. Mais oui, tu m'étonnes, les voix perdues. Mais des musiques iconiques qui restent encore gravées dans les mémoires. Le jeu est sorti en 98, nous sommes en 2024, ça fait 26 ans. Les musiques sont toujours... Enfin voilà, ça prend au trip. Prend au trip. Puis il y a des versions orchestrales absolument somptueuses de ces musiques. Tout à fait. Comme les musiques d'amour, pour moi, c'est intemporel. Tu as tout à fait raison. Ça restera là. Quoi qu'il arrive. Je vais sauvegarder. J'ai tellement peur maintenant que ça plante. Parfait. Faudra juste que je repasse par la fée du château d'Hyrule. Va falloir que je repasse au ranch. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus. C'est tout, hein. J'ai pas fait grand chose de plus. Je crois pas. Moi, j'ai pas envie de recommencer, non, c'est bon. Ça me rappelle. Lorsque. Pour la première fois que j'ai fait Majora's Mask, en fait, il y a une sauvegarde assez pernicieuse. Parce qu'il y a un moment, je ne sais pas si tu l'as fait Majora's Mask, alors pas la version 3DS, hein, la version 64. Il y a des points de sauvegarde avec des hiboux. Et en fait, ce sont de...
comment je pourrais dire, de fausses sauvegardes. En fait, la vraie sauvegarde, c'est lorsque l'on chante... Mince. Non, attendez. C'est lorsque l'on fait le chant pour revenir au premier jour. Là, ça sauvegarde vraiment. Sinon, si le jeu plante, parce que moi, le jeu avait planté, hein, et pas qu'une fois, en plein milieu d'une journée, toute la journée est perdue. Enfin, toute la journée, tout ce qu'on a fait depuis le début du premier jour, c'est perdu. Et en fait, la Majora's Mask, on peut revenir dans le temps. En fait, on a trois jours là-dedans dans le jeu, mais c'est un timer. Et on a trois jours pour faire telle chose, ensuite on doit revenir, ensuite on fait autre chose, etc. etc. Et donc, la seule véritable sauvegarde, c'est le champ pour revenir au début du premier jour. Même si on a des points de sauvegarde, on peut sauvegarder dans la journée. Mais ça, en fait, si ça plante, ça revient au début du premier jour, de ce premier jour-là. Et voilà. Et c'était l'enfer, quand ça nous arrive. C'était l'enfer. Ah, je me souviens, mais ça, c'était horrible. Et donc, ce qui est bien avec l'émulation, là, c'est que, justement, ça pallie à ce problème. À l'époque, beaucoup de jeux étaient comme ça. Mais moi, ce type de sauvegarde, à mon avis, ça n'existe que dans Majora. Bah, à mon avis. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'était assez bizarre. On avait de fausses sauvegardes, entre guillemets. Ah, tu dis, non, je fatigue, c'est unique ce que tu dis. Oui, enfin, j'ai pas non plus joué à tous les jeux de la planète, mais... Mais il me semble que ça, j'ai... Enfin, voilà. Et au début, on ne le sait pas. Et on rallume la console. Par exemple, le jeu a planté. On rallume la console. Et ben, on atterrit. Donc au début de ces trois jours-là. Donc tout avant, tout ce qu'on a fait avant a été sauvegardé. Ah bref. Bref, c'était rageant. Surtout lorsqu'on avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et des choses parfois assez complexes à faire. Hop. Tiens, renifle là. Ah oui, c'est frustrant. Ah oui, bien sûr. Non, mais ça arrivait pas tout le temps sur la même partie. Je l'ai refait plusieurs fois, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Voilà, parfois, des années après, lorsque je l'ai refait, bah, parfois les disquettes, les cartouches qu'on mettait dans la console, de la 64, bah, parfois ça plantait. Voilà. Ou alors, il y a quelqu'un qui shoot aussi, ou alors nous-mêmes, on met en pause le jeu, puis il y a les câbles par terre, puis on shoot dans les câbles, par exemple. Voilà, ça c'est magnifique aussi. C'est du vécu. Allez, petite pause bien méritée. Voilà. Tiens, d'ailleurs, une petite sauvegarde s'impose. Et on se retrouve juste après. Donc, je fais rapidement ce temple. Et puis, on verra après si on a le temps de faire autre chose. Voilà, à tout de suite. Allez, c'est reparti. Dans le ventre du grand Jabu-Jabu. Alors. Donc je le rappelle, tout à l'heure, j'ai commencé à le faire, j'étais quasiment à la fin. Ça a planté, sans sauvegarder, bien sûr. Donc, j'ai dû me retaper tout ce que j'avais fait depuis une heure. Voilà. Ah oui, mais de toute façon, pas besoin. Pas besoin, si.
là, ça va aller relativement rapidement. Si je me souviens bien des choses, est-ce qu'il faut que je tue tout le monde? Je sais plus. Non, c'est la vache. C'est l'autre. Voilà, donc ils ont mis des vaches un peu partout. Partout coincées dans la chair, à l'intérieur de notre grande baleine. Justement, je pense que pour la vidéo YouTube, je vais couper la première partie. Je pense que ce sera judicieux. Ouais, alors attends, laisse-moi passer, laisse-moi faire. Donc, eh bien, avec ma foi, ce sera demain, hein, le temple de la forêt. Si tout va bien, si rien ne plante, ce sera demain. Je comptais voir ce soir, mais non. Donc la vache dans l'eau, hein, qui se sent bien, la vache marine. Vache aquatique. La petite Ruto, mais oui. Qui au début nous est assez dédaigneuse. Caractère de princesse. C'est pas le même caractère que celui de la princesse Peach. Allez hop. Allez, mets-toi par terre. Que je puisse, hop, te soulever. Tu t'inquiètes tant que ça pour moi? Bah oui. Je t'accorde l'honneur de me porter. Toutefois, je ne partirai pas sans avoir trouvé, bien sûr, ce que je cherche. Moi non plus, je te rassure. Oui, c'est vrai. Attention, c'est vrai qu'il y a un gros verre de vase. Un verre des sables, un verre de ce qu'on veut. Allez, sors de là. Parfait. Donc là-haut, surprise, surprise. Je sais ce qu'il y a dedans. Le boomerang. Yes. On va sauvegarder.
peux pas sauter? Si. Bien, maintenant qu'on a le boomerang, on peut aller tout droit. Et on va tuer toutes ces... Je sais pas, ces excroissances, on va appeler ça comme ça. Qui tombent du plafond. Ah oui, mais attendez. Il y a un truc à faire avant. Ce que je vais faire ça, voilà. Je suis plus habitué à ça. Ah, le timing. Voilà. C'est bon ou pas? Non. C'est pas bon, attendez. Il y a une vache derrière. Ah, je peux pas la voir. Voilà. Toi, tu viens avec moi. Oula, attends. Il est où mon... Tu vas me péter ma caisse. Je sais que tu vas casser ma caisse. C'est bon. Un petit cœur. Pas du tout. Ah non, c'est bon. C'est bon, ça suffit. Tiens, bien, viens, je vais... Viens. Ah non, c'est vrai, j'ai pas le feu de daim. Eh non, bah non. Je l'avais tout à l'heure. Eh oui, je suis pas allé... Je suis pas retourné voir la fée du château d'Hyrule. Alors... Il est où? Je l'entends, je t'entends. Je sais pas où t'es. Il y a un gros verre de vase ici. Je crois. Il est où? Bah voilà. Suffisait de demander. Et je vais mourir. Ah purée, je vais mourir. Ça y est, on l'a récupéré.
Hop, on prend ça, on va brûler la toile d'araignée. Ça c'est fait. Allez, on détruit ça. Je suis bientôt au point où j'en étais avant que ça plante. En 5 minutes. Fuyez. Ce bruit de l'enfer. Si je pouvais avoir un tout petit cœur, ça m'arrangerait. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je suis pas venu ici tout à l'heure. Mais oui, je suis pas venu. Je suis pas venu du tout, bah voilà, c'est parfait ça. Je suis pas venu là. Tiens, il y a quoi ici? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Il n'y avait rien. Rien d'intéressant à part l'araignée. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour la sculpture là. Une sculpture là, ok. Ok, une sculpture là, là-bas. Allez, je tente à nouveau, puis après on avance. Complètement dans le plafond. Attendez. Il y en a qui sont bien. Mais elle est où? Elle est où? Je vois rien. D'accord, elle est recouverte par le mucus ou je sais pas quoi. Bon, allez, peu importe de toute façon. J'ai envie de la récupérer quand même. Allez. Voilà, c'est bon. Bien, on va reprendre notre chère princesse. Et puis on avance. Je l'ai loupé. Non, c'est là. Attendez, c'est où? Ouais, c'est là. Alors, bon, j'ai plus beaucoup de cœur. Tant pis. À moins que j'en trouve pas ici. Là, j'ai l'impression qu'ils ont mis moins de cœur aussi. Dans les temples. Ouais, ouais. Il y a moins... Les plantes en donnent encore, mais les ennemis, moins j'ai l'impression. Ouais. Tant mieux. Regardez. Ça repousse? Non. Si. Ah, c'est parfait. Si les plantes, ça va. Oui, le bijou Zora, le saphir Zora. Pourquoi la princesse Ruto?
Allez, ça, on va s'en débarrasser en deux temps, trois mouvements. Voilà, c'est fait, on y est bientôt. Au point où ça a bugué. On y est bientôt. On est même juste à côté. Je vais bien sauvegarder. Salut, merci. Merci beaucoup. Tu m'embêtes, toi. Comment on fait déjà? Ah oui, oui. Ah, donc c'est bien ça, en fait, qui déclenche. C'est bien le fait de toucher la vache. Pourquoi ça touche pas? Ok. On refait. Voilà, je sauvegarde ici. Attendez, je fais un petit truc avant. Ok. Voilà. On est tout bon. Allez, on avance. On est quasiment à la fin. C'était ici, dans cette pièce, que ça a planté. Voilà. Là, on est bon. La vavache. Elle est où, la vavache? J'en ai pas vu une? Si. Je sais pas. Ah oui, alors avant il y avait... Tiens. Avant là il y avait un interrupteur. Là il y a une... Pourquoi tu montes? Pourquoi les monter? Je t'ai fait peur? D'accord. Ok. Vraiment, de petites nouvelles mécaniques comme ça. C'est marrant. Donc toi, t'es où? J'arrive pas à voir où t'es. Là, il y a une paroi devant nous. Je sais pas, j'arrive pas à voir la profondeur. J'arrive pas à voir la profondeur, peu importe. On va à nous, au boss. Allez, c'est parti. Intéressant, ça. Allez, terminons ce donjon.
Hahnemann bioélectrique Barinade. Tac. Attendez. Ah, dommage. Allez. Attendez, pourquoi je peux pas... Ah non, mais non, mais attendez, mais je suis bête. Je suis bête. Et je fais n'importe quoi. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Je fais n'importe quoi. J'arrive pas à la toucher, comment ça se fait? Je me fais détruire. Ok. Parfait, c'est parfait. Ah maintenant il a peur. Il a les foies, il a les foies, il a les foies. Ok. Et c'est terminé. Voilà, ça y est, on a enfin fini. Faut pas que ça bug. Le sixième cœur. Et allez, on s'envole. Tiens, ouais, bien sûr. Elle est furieuse, elle est furax. Toi, t'es en retard, je t'attends. Depuis une heure, t'es nul. Je me sentais seul, c'est tout. Juste un petit peu. Non, je crois que t'as un petit béguin pour notre cher petit Link. C'est surtout ça. Toi, t'es cool. Plus cool que je ne le pensais. Enfin, juste un peu. Tu m'as sauvé, je dois donc te récompenser. Que veux-tu de moi? Je t'écoute. La pierre ancestrale, rien du tout. Elle est rien du tout. Hi, ne sois pas timide. Je sais à quoi tu penses. Ma mère me l'a transmis et je ne le donnerai qu'à mon futur mari. C'est une bague de fiançailles, Zora. Bon, ok. Je te donne mon bien le plus précieux, le saphir Zora. Ce qui fait donc de Link... le promis de la princesse Ruto. Vous recevez le saphir Zora, cette pierre ancestrale de l'eau vous est confiée par les Zora. Son bien le plus précieux, vous ne savez pas de quoi elle parlait, mais vous avez les trois pierres ancestrales. Allez voir Zelda. Ne dis pas à père, je dirai rien. Motus et bouche cousue. Bien, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, avant que ça plante. Je vais aller voir les deux fées.
vais au ranch. Et si on a le temps, on va direction Zelda. Et pourquoi pas planter l'épée, récupérer l'épée, pardon. Pourquoi pas. On a quoi? On a un quart d'heure, 20 minutes, grand max. Après, je dois couper. Le vent de Faror, vite Judith. Bienvenue Link, la divine fée des enchantements, c'est vrai. Sortilège qui permet de nous téléporter. Et en invoquant ce sort, vous pourrez créer puis vous rendre à un téléporteur. En utilisant la magie, vous aurez le choix entre vous téléporter ou annuler le téléporteur. Et qui ne fonctionne que dans les donjons, possédant une carte, évidemment. Très bien, oui, du coup pour la seconde fée, bah, ce sera après avoir vu Zelda, évidemment. Combien de ce que tu l'as dans la besace? 7. Sauvegardons. Elle est déjà là, elle est rapide. Prends-tu soin de mon bien le plus précieux? Elle est contente. Doucement. Tout doux, tout doux. Donc je l'ai dit, dans ce let's play, on ira à l'essentiel. Quasiment tout le temps. Ce qui nous préoccupe, ce qui nous intéresse, ce sont les donjons et temples alternatifs. Tout le reste, bah, je vous invite à aller voir, bien sûr, sur ma chaîne YouTube, le Let's Play d'Ocarina of Time, un peu plus complet. C'est pas du 100%, mais on a fait pas mal de choses, beaucoup de choses même. Ici, on va vraiment à l'essentiel. Falloir faire lever. Eh oui, mais non.
Ah tiens, je croyais qu'il y avait une sculpture là ici. Il y a un cheval qui a disparu. Hop hop hop, rendez-nous le cheval. Je me fais bousculer par les chevaux. C'est écrit quoi? Surtout c'est écrit bizarrement, non? Salut toi. Mais oui, revoilà le garçon de la forêt, tout à fait. Tu as trouvé mon père? Mon papa? Tu poses beaucoup de questions. Mon père est revenu à la maison en courant comme un lapin. Je t'ai pas encore présenté mon ami Epona, qui deviendra notre fidèle destrier. En garde. Oui. C'est parti. Ça y est, elle m'adore. Bien, ça c'est fait. Direction le château. Ah non, c'est là qu'il y a une sculpture. Au moins qu'on ait la bourse à 200. Et encore, je suis pas sûr, mais il me semble que ce soit les scutulas qui nous donne ça. Elle s'est échappée. Toi là-bas, moucheron. Un destrier blanc vient de passer il y a un instant. Par où s'est-il enfui? Réponds. Link ne parle pas. Donc, ça sert à rien. Tu crois que ton silence les protégera, jeune imprudent? Tu vas tâter de mon épée. «
Tu cherches contact? Bonne blague. Tu es brave, mais sot. Hop là, ça l'a juste fait asseoir. Ah, c'est gentil. Insecte ridicule, sais-tu bien qui je suis? Je suis ton père. Et sous peu, le monde sera mien. C'était pas la joie. Vous trouvez l'Ocarina du temps, ça y est, Ocarina of Time. Trésor de la famille royale. Link, m'entends-tu? C'est moi, Zelda. Je t'entends, Zelda. Où es-tu? Que fais-tu? Link, quand tu trouveras cette ocarina, je serai déjà si loin. Malgré mes efforts, je n'ai pu retarder ma fuite. Je ne peux t'offrir que cette ocarina, ainsi que cette mélodie. Alors écoute bien. Ce chant ouvre la porte du temps. Va, Link, entonne ce chant devant l'autel du Temple du Temps. Tu dois protéger la Triforce. Je m'y efforce. Tant bien que mal. La fée maintenant. Et après on ira dans le temple, on tire l'épée. Je crois qu'il y a une grosse cinématique et puis après on arrête là. Je sais pas si j'ai récupéré. Non, je l'avais pas récupéré elle aussi. Enfin, je l'ai fait tout à l'heure. Avant le plantage. C'est quoi comme emblème? Il y a un truc à faire ici. Ah, il y a un truc à faire. Mais quoi? Tiens, ça je verrai un peu plus tard. Bonsoir, 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 mademoiselle. Jeter ses fées. Complètement dans leur monde. Bienvenue, Link. Merci. Ha ha ha!
Le feu de daim consumera tes ennemis et certains obstacles. Bien pratique. Allez, filons au temple du temps. Et faisons notre roi Arthur. Bien sûr. On va demander de l'aide. Excusez-moi. Pouvez-vous m'indiquer le chemin du temple du temps? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, temple du temps. Bon, ok. Ok. C'est pas grave. Avant toute chose, on allait beaucoup trop loin pour ne pas sauvegarder. Allez, mon petit roi Arthur. Tu sors les muscles. Link, mais c'est... Excalibur. L'épée des rois. La lame purificatrice. L'épée de légende. Yes. Et là, on va faire une grosse boulette, mais on la fait quand même. Même si on sait, il faut la faire. Félicitations, gamin. Grâce à ta bourde monumentale, comme je le pensais, tu avais ta possession la clé des portes du temps. Tu m'as ouvert la voie jusqu'au sein royaume. Étrange son visage de face. Très étrange. Je te donne la victoire, petit. Merci. Link, reviens à toi, l'élu. Tu es dans la matrice. Et lui, c'est Rauru. La première fois que moi j'ai vu Rauru, c'était là. Rien à voir avec le Rauru de Tears. Rauru, l'un des anciens sages. Jadis, les sages bâtirent le temple du temps pour protéger l'entrée du Saint-Royaume. Légendaire. Voici le sanctuaire des sages au sein même du temple de la lumière. Le temple de la lumière se trouve au centre du Saint-Royaume. Il est le dernier rempart contre l'influence maléfique de Ganondorf. L'épée de légende, la lame purificatrice, jadis prisonnière du piédestal du temps, est la clé ultime du Saint-Royaume. Link, n'aie pas peur. Regarde-toi. Regarde comme tu es beau.
Tu as grandi, tu es un adulte. Incroyable ça, quand ça nous... La première fois qu'on joue à ce jeu, incroyable. L'épilégende est une lame sacrée interdite aux forces obscures. Seul le héros du temps peut la retirer de son socle de granit. Mais tu étais trop jeune pour être ce héros du temps. Ton esprit fut scellé en ce lieu pendant 7 ans. Mais il est enfin temps de t'éveiller et de te laisser la destinée. Et de laisser la destinée du héros du temps s'accomplir par tes actes. C'est mieux. As-tu conscience de la tâche à accomplir? Oui. Souviens-toi, même si tu as ouvert les portes du temps au nom de la paix et de la justice, Ganondorf, le roi des voleurs Gerudo, en a profité pour violer le Saint-Royaume interdit. Le vilain, il a dérobé la Triforce dans le Temple de la Lumière, et grâce à ses nouveaux pouvoirs, il s'est sacré seigneur du malin. Petit ego, tout petit ego. Son pouvoir maléfique a perverti les temples d'Hyrule et a transformé en 7 ans notre monde en un chaos innommable. Mon pouvoir est bien faible, mais mon influence mineure dans le Saint-Royaume est... dans ce sanctuaire des sages. Mais il reste un espoir, et c'est toi. C'est toi, Link Espoir. Quand la puissance des 7 sages se manifestera, les influences maléfiques seront endiguées par le sceau des sages. Moi, Raoru, je suis l'un des sages et ta puissance combinée à celle des sages te proclame héros du temps. Élu par l'épée des gens, ta destinée sera de guider Hyrule vers la lumière. Garde mon esprit avec toi. Trouve les autres sages et reviens ici consacré de leur pouvoir. Je sais pas, t'as tout compris parce que je répéterai pas. Moi-même, je me souviens pas de ce que j'ai dit. Le premier médaillon. Celui de la lumière, Raoul le sage vous confie son pouvoir. Trouve les sages et sauve Hyrule. C'est ce qu'on va faire. C'est moi où j'avais jamais fait attention qu'il y avait des sceaux par terre, des médaillons. Peut-être que ça a été rajouté pour la Master Quest. Parce qu'il y a des choses qui ont changé légèrement. Notamment lorsque Link a pris le carnet du temps et qu'il a vu Zelda. Il me semble que dans la version originale, les deux ne se trouvent pas dans le temple du temps. Il me semble. Ah, je t'attendais, héros du temps. Décidément, tout le monde veut me voir. Quand le mal est sur le monde, ceux sensibles à l'appel du Saint-Royaume légendaire se réfugient dans les 5 temples. Dans une profonde forêt, sur une haute montagne, dans un vaste lac, dans la maison des morts, dans la déesse de sable. Grâce aux héros du temps, les éveillés chasseront les forces maléfiques du monde et apporteront paix et justice. Telle est la légende des temples transmise de génération en génération par mon peuple, les Sheka. Mon nom est Sheik, l'un des derniers Sheka. Armé de l'épée de légende, le titre de héros du temps te revient de droit. Si j'en crois les légendes, ta quête est claire. Tu dois éveiller les 5 sages dans les 5 temples. L'un des sages attend dans le temple de la forêt, l'heure de son éveil. C'est une jeune fille que tu connais. L'influence maléfique qui pervertit les temples l'empêche de répondre aux appels du Saint-Royaume. Équipé comme tu l'es, tu ne pourras entrer dans le temple. Crois-moi, rends-toi au village Kokorigo. M'as-tu compris? 5 sur 5, Roger. Eh ben c'est parfait. On va se regarder ici, on s'arrête là pour ce soir. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. On se retrouve demain, dimanche après-midi, pour la suite. Donc on va découvrir ce temple de la forêt que j'attends particulièrement. Cette version alternative. Hop là, on va remettre pause. Je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne nuit. Et à demain après-midi pour la suite des aventures de Link. Ciao, ciao.